Bonjour, reportage aujourd'hui sur une chorale, la chorale Alvenaria au Petit Auvernais. Elle a été créée en 2005, elle compte 25 choristes aujourd'hui, mais elle en attend de nouveaux et notamment des hommes. J'avais une dizaine de personnes au départ, quoi. Voilà, voilà. Ah oui, c'est pas toujours. Surtout que c'était vraiment localement au niveau du Petit Auvernais, c'était pas facile de trouver vraiment des gens bien motivés pour ça, quoi, ici. Mais puis progressivement, il y a eu. Bon, ma femme travaille sur Châteaubriant, il y a des collègues qui sont venus chanter. Ce qui fait que maintenant, il y a pas grand monde du Petit Auvernais, en fait, dans la chorale. Il y a beaucoup de personnes de l'extérieur. Et... Bon, pour arriver à faire plaisir à tout le monde, on essaie d'élargir le répertoire, d'avoir un répertoire éclectique, de façon à ce que, bon, il y a des gens qui se retrouvent mieux dans les chansons contemporaines, d'autres qui aiment bien chanter les chants classiques. Bon, donc on a aussi des chants de la Renaissance. Enfin, parce que moi, les chants de la Renaissance me passionnent. Donc, je suis bien obligé de les mettre, autrement, ma raison d'être de chef de chœur n'existe plus. Quand je fais chanter des chants de la Renaissance, les gens se retrouvent souvent assez difficile. Et mais finalement, quand je leur donne des chants de musique contemporaine, de chants contemporains, ils sont étonnés parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de difficultés aussi, quoi. Mais c'est d'autres difficultés. Il y a des difficultés rythmiques, il y a des choses comme ça qui n'ont pas forcément l'habitude aussi. Donc finalement, on trouve des difficultés partout. Les voix d'hommes sont toujours vraiment les bienvenus, ouais, surtout les pupitres, dans le public de ténor, on manque de ténor aussi, et chez les altos aussi, hein, on manque d'alto, voilà. Alors les gens viennent de Petit Auvernais très peu, moi dans la Rivière, la Meilleraie, Herbray, Saint-Sulpice, ou la Chapelle-Glin, enfin toutes les communes riaillées, toutes les communes avoisinantes. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Et on est en train de chercher des hommes et des altis. Les répétitions ont donc lieu les lundis soirs de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente du Petit Auvernais. Et la chorale se produira le 8 juin à l'église de Béret.